Née à Roanne il y a 24 ans, Charlène Ramelet a chaussé les patins à 5 ans. À 16 ans, dans le cadre de ses études, elle intègre l'Auvergne Patinage Artistique de Clermont-Ferrand, club avec lequel elle répète inlassablement ses gammes. De longues années de travail qui aujourd'hui lui permettent de réaliser son rêve de petite fille, entrer dans le monde féerique d'Holly Day on Ice. C'est une récompense en fait à tous les sacrifices que ma famille a fait. Et pour moi, oui, c'est un honneur de travailler ici, de travailler pour cette compagnie aussi, quoi. Donc je suis vraiment très très heureuse et comblée de ce que je fais dans ce spectacle. Un spectacle de 2h20 mêlant humour et glamour, dans lequel Charlène évolue au sein du corps de ballet. On la retrouve dans une quinzaine de numéros, en compagnie de 34 artistes de 14 nationalités différentes. Un show où Charlène a dû apprivoiser une autre discipline, un peu plus aérienne. C'est le numéro des sirènes qui est environ, bah là, Clermont-Ferrand, je pense qu'on est à bien 14 mètres de haut en fait. Donc voilà, c'est un numéro aérien qui nous a demandé beaucoup d'entraînement quand on était à Utrecht pour les répétitions en Hollande. Pendant 6 semaines, on s'est entraîné avec une artiste de cirque qui a monté le numéro. Et donc voilà, c'est un numéro absolument exceptionnel, enfin, que j'adore faire depuis 7 mois qu'on tourne. Je prends toujours autant de plaisir à le faire. Durant 5 représentations, elle va évoluer à quelques kilomètres de la patinoire dont elle est restée très attachée, devant sa famille, ses amis, avec l'ambition de continuer l'aventure Holly Day on Ice pendant plusieurs années, voire de rejoindre d'autres compagnies sur glace internationales.